Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Je suis impressionné que t'aies réussi à... Tu as sauvé l'honneur d'un honnête commerçant. T'as protégé la ville. On te doit une fière chance. Des hommes forts comme toi, on en a bien besoin ici. Alors, ça paye bien comme boulot? Avec tes capacités, laisse-moi te dire que t'auras aucun mal à maîtriser toutes ces armes. Tu as sauvé l'honneur d'un honnête commerçant. Alors, il paraît que c'est toi qui nous as débarrassé de Syrah ? C'est bon, t'es prêt? Bon, on se retrouve à la gare à la nuit tombée. Je compte sur toi. En tout cas, ça paye pas trop mal.
Oh ! Pas de chance, il n'y a plus de train ce soir. Le service a fini plus tôt que prévu. Pour vous dépanner, on a emprunté ces motos. On va pouvoir aller là-haut. Comment vous avez su ? Facile, on voyait bien que t'étais bizarre. À chaque fois qu'on discutait avec toi, t'avais l'air perdu dans tes pensées. Mais par moments, t'étais excité comme une puce. Ok, mais quand même, comment vous saviez que je comptais aller là-haut ? Attendez, je réfléchissais à voix haute, c'est ça ? On s'est simplement dit que tu voulais aller voir tes parents ce soir. Dans le mille, non ? Ah, ah, je suis touché. Et je sais que c'est gonflé de notre part, mais comme nous, on n'a pas de parents, on aimerait bien que tu nous fasses un peu profiter des tiens. Et toi, tes parents ? Hein ? J'en ai plus. Bon, ben allez, pourquoi pas ? On partagera nos peines comme une vraie famille. Ouais ! Les gars, vous avez vos nouvelles fausses cartes d'identité ? Ouais, capitaine ! C'est parti, en avant ! Allez, mais les gars, approche-toi ! Tu m'entends ? Ouais. Si je veux aller là-haut, c'est pas pour les raisons que Biggs et Wedge s'imaginent. Tu sais, j'ai repensé à l'explosion du réacteur, elle était si forte. À cause des vapeurs de Mako. C'est pas ce que tu disais ? Ouais. Ou plutôt, c'est ce que j'espérais. Mais en fait, j'ai ma part de responsabilité. J'ai découvert que j'avais installé une charge plus forte que celle indiquée sur le plan. Donc, tu vois, il n'y a pas à chercher plus loin. Et alors ? Tu comptes faire quoi ? Je veux remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Seulement, comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Ah ouais, carrément. C'est quasiment impossible. Sauf si tu viens avec moi. Oh. Un contrôle, prêt ? Bien, on est passé. Ouais, mais ça va se corser maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Même avec nos fausses identités, si jamais ils décidaient de lancer un scan à cette heure-ci... Les gardes nous tomberont dessus. Exactement. Sérieux ? Pour de vrai ? Vous en faites pas. Cloud est là, ça ira. Dis, tu sais comment on pilote une moto ? Ouais, c'est indispensable quand on est soldat. Parfait. Dans ce cas, j'espère que tu sauras me donner le tournis. Regarde droit devant toi et ça ira. Les voilà ! Et ça te fait plaisir ? Mais évidemment ! Tu vois ? Rien de mieux que quelques épreuves pour rapprocher un homme et... Rêve pas trop. Il faut les aider ! Encore ? Une unité d'élite.
ça va le faire. Non mais t'as vu la situation? J'ai oublié qui je suis. Je vois. Dans ce cas, tu peux t'en charger? Je t'attends. En fait, on sert à rien, nous. Bien. Sur moi.
Donne-moi un peu plus d'amour que ça, quand même! Allez! Pas mal. Je vois que tu es bon et que tu aimes ton engin. Malheureusement, savoir conduire une moto est loin d'être suffisant. Non, la moto n'est pas qu'un simple véhicule. Vous la traitez comme si c'était une partie de toi-même. T'as compris? Vas-y, essaye. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. T'abandonnes déjà? Mais non, rassure-toi. Je n'ai aucune raison de me retirer d'une course aussi passionnante. Allons, allons. J'étais l'intention de rouler jusqu'au bout. Voyons lequel de nous le tiendra le plus longtemps. Accrochez-vous bien. Et bam. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Jesse, prends le bidon. Ah là là, je dois m'arrêter là, dommage. Très bien. La prochaine fois, on s'affrontera que toi et moi. On verra. Et... tu m'échapperas pas. Bien joué. T'es trop balèze. C'est pas encore gagné. Planquons-nous avant l'arrivée des renforts. Sur 20, pourquoi? Ta conduite. J'ai pas besoin que tu me donnes une note. Mais avec une note pareille, y a pas de quoi faire le fier, hein? De quoi? J'aurais préféré être un peu plus secoué. Et si t'étais tombé? Non mais dis donc, qu'est-ce que t'insinues? Hein? Hein? Accroche-toi comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais pas tenir longtemps. Hein? Non, je rigole. Ah. Voilà, on est arrivé. On va laisser les motos. On va faire le reste à pied. Il faut être discret. On est en ville et il est tard. Ces lunettes me rentrent dans la peau. Ficelé comme un rôti. Arrête, j'ai déjà assez faim comme ça. Oui, je sais. On va bientôt manger. Allez, filons. Juste après cette porte, on sera en ville. Il y a un petit truc à savoir pour l'ouvrir. Bien joué, Cloud.
C'est un quartier de logement de fonction. Mes parents, en fait, ils travaillent pour la Shinra. À vrai dire, c'est grâce au réacteur Mako que j'ai eu une belle enfance. Regardez, j'ai beau ne rentrer à la maison que très rarement, ma mère laisse quand même toujours la lumière allumée pour moi. C'est vraiment une habitante typique du plateau. J'espère qu'on aura de la pizza, la spéciale Midgar. Sa mère est incroyable. Même quand on débarque en pleine nuit, elle nous prépare toujours quelque chose de bon. Elle adore les invités qui ont un bon coup de fourchette. Bon, on y va? Cloud, tu sais ce que t'as à faire. Pour le moment, attends près du mur, là-bas. Ouais, compris. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé que tu goûtes à la spéciale Midgar. Sauf si tu viens avec moi. Un bon mercenaire est toujours prêt à tout, non? Il faut que tu entres en douce chez moi et que tu voles un truc, d'accord? J'irai ouvrir la porte de derrière. Tu n'auras qu'à attendre mon signal. Quand la lumière s'allumera, ce sera à moi de jouer. Une fois que tu seras à l'intérieur, fais bien attention. N'ouvre surtout pas la porte en face de toi. Il y en a une autre sur la droite, c'est là que tu dois aller. Désolée, maman, on arrive un peu tard. On parlera fort et je ferai en sorte de retenir ma mère dans le salon. C'est pas grave si tu fais un peu de bruit. Mon père sera dans la chambre, mais il ne te verra pas. Oh. J'aimerais que tu prennes son badge d'identification. Il faudra peut-être que tu fouilles un peu. J'aurais vraiment pas le cœur à le faire moi-même. Alors, je compte sur toi. Vous êtes pas sortis de l'auberge. C'est pas là. C'est délicieux! Allez-y, mangez! Jessie? Maman, c'est encore meilleur que la dernière fois! Une autre part de pizza. Une lettre? N'hésitez pas à vous servir. Papa, maman. Tout d'abord, je suis désolée de ne pas vous avoir écrit pendant si longtemps. Et voici la fameuse spéciale Midgar. Depuis quelque temps, je travaille au Gold Saucer. J'ai enfin réalisé mon rêve. Je suis devenue comédienne. Je vous ai causé bien des tracas. Mais je peux enfin vous inviter à venir me voir jouer dans une pièce dont je suis très fière.
princesse Jessie Raspberry. Le premier rôle? La voilà, la meilleure pizza du monde. Mon père était chargé de l'entretien d'un réacteur Mako. Mission accomplie. Tu n'es pas à l'affiche en ce moment, n'est-ce pas? Tu tiens à rester au Gold Saucer malgré tout? Jessie est vraiment indispensable, vous savez. Oui, mais tu es surtout en coulisses, non? Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Tu sais, tu pourrais très bien postuler au théâtre du secteur 8. Ouais, ce serait pas mal. Au fait, maman, je suis désolée, mais il va falloir qu'on y aille. Ah bon? À vrai dire, on n'avait même pas prévu de passer. Mais Wedge ne peut pas résister à ta pizza. C'était délicieux. Ne me dis pas que tu n'as plus faim. En fait, je pourrais en avaler deux de plus. Hé, hey, Wedge! Mais moi, c'est pour vous que je fais ça. Vous savez bien que je suis bon à rien quand j'ai l'estomac dans les talons. Je veux remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Désolée. C'est ce que tu voulais. Oh. Passons aux choses sérieuses. On peut s'infiltrer dans l'entrepôt de l'annexe 7-6 avec ça. Bon, on y va. Désolée, mais j'y vais sans vous. Je sais très bien où trouver ce que je suis venue chercher. Et il vaut mieux que j'y aille toute seule. Et nous, alors? On est venus ici que pour la pizza ou quoi? Tu t'imagines que c'est gratuit? Vous allez assister Cloud, ça vous fera digérer. C'est simple. Vous ferez comme tout à l'heure quand on a détourné l'attention de ma mère. Comment on dit déjà? Ah, j'ai oublié, une... Une diversion. Ah oui, voilà. Dans le mille, soldat. Hein? Alors cette fois, on va manger des pizzas avec les gardes de la Shinra? Ah, on va faire de l'exercice, gros bêta. Pendant que tu fouilles à l'intérieur... On s'arrange pour attirer l'attention des gardes, c'est ça? C'est ça. Toi, au moins, tu suis. Quand vous verrez une fusée éclairante, foncez tous ensemble vers la place devant l'entrepôt. Le but est de foutre le bordel pour occuper les gardes autant que vous pourrez. On n'y arriverait jamais sans l'aide d'un ancien soldat. Il te faudrait combien de temps? Si je me débrouille bien, pas énormément. Quand j'aurai fini, je vous le signalerai avec une autre fusée. On se retrouvera dans un coin discret. Une minute. Comment on va faire pour rentrer? On va attendre le premier train? Tu rêves? Il faut être de retour avant le matin. Mais j'ai trouvé un bon moyen, vous en faites pas. Allez, à tout à l'heure. Bon bah, je crois qu'on a une diversion à faire. T'as vu le père de Jessie, je suppose? Oui. Intoxication à la Mako. Jessie donnait un spectacle au Cold Saucer. Mais bon... Ça doit pas t'intéresser. Si. Vas-y, dis-moi. C'était le rêve de Jessie de devenir comédienne. Elle a travaillé très dur pour ça. Jusqu'à enfin obtenir un premier rôle. Ses parents étaient fous de joie. Malheureusement, juste avant la grande première... Son père a fait un malaise au travail. Surmenage. Et il s'est effondré au mauvais endroit. Juste à côté du réservoir de Mako. Il est resté là presque une journée. Quand on l'a trouvé, il était dans cet état. Et il a pas évolué. C'est alors que Jessie a rencontré la planétologie.
ainsi que la branche principale d'Avalanche. Et voilà où elle en est maintenant. Jessie est convaincue d'un truc. Elle est persuadée que la conscience de son père erre toujours dans le flux vital de la planète. C'est pour ça qu'elle veut arrêter les réacteurs au plus vite. Sinon, la vie de son père risque de disparaître. Et ça te fait rire? Au contraire, son histoire me parle. Plus qu'un combat pour la planète. Ah, je comprends mieux. Au cœur de la Mako, il y a toutes sortes de pensées et d'espoirs. C'est pas qu'une source d'énergie qu'on peut dépenser à tort et à travers. Tu vois? Hé! Surtout va pas dire à Jessie que je t'ai raconté tout ça, hein? C'est une véritable furie quand elle se met en colère. Ah bon? J'aimerais bien voir ça. Oh non, arrête! Elle va nous déchiqueter! C'est pas mon problème. L'enfoiré! Oh! C'est l'endroit dont nous a parlé Jessie! On se retrouve tous ici après l'opération! Essayons de pas nous faire opérer en attendant. L'entrepôt devrait être derrière le portail. Attends. Où sont passés les gardes? On dirait que quelqu'un d'autre est passé ici. Jessie aurait jamais fait ça, pas vrai? J'espère que ça va pas compliquer les choses. Allons voir ça. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est la place. Les entrepôts sont au fond. Normalement, Jessie a dû faire le tour par derrière. Pour le moment, on observe. Parlons de notre stratégie. Je peux très bien y aller tout seul. Quoi? Tu veux dire qu'on est des boulets, c'est ça? Un peu de respect, s'il te plaît. On est des frères d'armes, quand même! Je veux pas être votre nounou. Si tu veux te préparer, c'est le moment ou jamais. Dis-le-moi quand t'auras fini. S'il te manque un truc, va voir au distributeur. Il y a un centre d'entraînement là-bas, apparemment. Si tu veux t'échauffer, tu sais où aller. Stressé que mon ventre n'arrête pas de gargouiller. Heureusement. Au fait, t'as une matéria d'invocation avec toi, c'est ça? On va se mettre la pagaille en plein chez nos ennemis. Ça peut pas faire de mal de se préparer un peu. Bon, vérifions les postes de chacun. Cloud, tu vas en plein milieu de la place et tu fous un gros bordel. Nous, on fait quoi? Pour nous, soutien tactique. D'abord, on monte dans un endroit où on a une vue d'ensemble, et de là, on l'aide de notre mieux. Je suis là. Alors, tu voulais parler de quoi? En fait, je compte partir d'ici au printemps. Je vais aller à Midgar. Tous les garçons sont pareils. Ils finissent tous par quitter le village. Mais moi, je ferai pas comme les autres. Je pars pas juste pour chercher du travail. Je veux devenir un soldat. Un des meilleurs qui soit, pareil que Sephiroth. Donc tu voudrais être un héros? Déjà, devenir soldat, c'est difficile, non? Disons que ça prend du temps, je pourrais pas revenir de sitôt. Si tu te fais connaître,
Je te verrai peut-être dans le journal. Ouais, peut-être. Dis, promets-moi un truc. Plus tard, quand tu seras devenu très célèbre, si jamais j'ai de gros problèmes, j'aimerais que tu viennes m'aider. Hein? C'est ce que font les héros. Ils arrivent quand tout semble perdu. J'aimerais vivre ça, ne serait-ce qu'une seule fois. Allez, promets-le-moi. Bon, d'accord. Je te le promets. Mission n'a pas l'air de te plaire. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même, je me sens perdue. C'est le signal de Jesse. Elle a réussi à s'infiltrer. On y va. Ouais. Ok. Je vois pas le moindre intrus. Ils sont peut-être cachés. Attendez. Là-bas! Intrus repéré! Tirez! Thank you.
J'ai maigri. Hé, hey, le Playboy, t'as vraiment un succès monstre. J'y peux rien si j'ai un charme bestial. Et évidemment, il y a des robots là-dedans. Ça va aller? Ouais, t'inquiète. Tu peux compter sur nous. Regarde ce que j'ai trouvé. On va leur en mettre plein la vue. Thank you.
Amuse-toi bien. Encerclez-les! Oh ma merde. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? On peut vraiment dire que tu sais mettre de l'ambiance, mon cher ami! On se l'était promis, pas vrai? Que la prochaine fois, on s'affronterait que toi et moi, hein? Tu as actionné mon démarreur. Et en ce moment même, mon moteur est... Agité de soubresaut à l'idée d'une nouvelle course-poursuite! Écartez-vous. D'accord. Filons. Ça fait bien des années que je n'étais pas descendu de moto comme ça. Mais bon, peu importe où je pose les pieds. Ce qui est sûr, c'est que je ne ralentis jamais! Bien! Maintenant, nous allons nous affronter d'homme à homme avec dignité, mon cher ami! J'ai rien senti. Ça va faire mal. Franchement, m'amuser! Pas grave.
Que dirais-tu de continuer notre duel jusqu'au sur-régime ? Le temps passe trop vite quand on s'amuse bien. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouvel objectif à atteindre. Nos chemins se croiseront forcément à nouveau. Promets-moi seulement de rester en vie jusque-là. Mon cher ami, au revoir. Avec vous. Qu'est-ce que votre faction fait ici? Et vous alors? Grouille.
Wedge ne craint rien. Il vaut mieux pas qu'il découvre qui tu es, par contre. Et ils sortent d'où, eux? D'Avalanche. Ça doit être eux qui sont arrivés avant nous. Une bande de conservateurs de la branche principale. En gros, du point de vue de notre propre groupe, c'est une énorme épine dans le pied. Une véritable plaie. Mais je m'égare. Non. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Alors ça... Ils ont eu le culot de nous exclure en nous traitant de factions dangereuses, alors qu'ils ont eux-mêmes un armement impressionnant. Il paraît qu'ils ont formé une alliance avec le Wutai, et qu'ils ont l'intention de voler toutes les matérias de Midgar. À quoi ça va les avancer? Mystère. La guerre est terminée depuis longtemps, mais peut-être pas pour tout le monde. Oh, oh. Ça y est, mission terminée. Faut qu'on rejoigne Jesse à l'endroit prévu. Ouais. Y'en a du bazar dans le coin. La Shinra a envoyé des renforts en plus. Oh, j'ai mal au ventre. L'annexe 7-6 est attaquée par un groupe armé en... Pas besoin d'attendre Wedge? Il va s'énerver s'il se rend compte qu'on l'attend ou qu'on le cherche. Je comprends pas. C'est pas facile à saisir pour un soldat, j'imagine. Mais bon, je lui dirai qu'il t'ai fait du souci pour lui.